Dépannage, c'est encore mon copain, dépannage mobilette. La pression. Silence avant la tempête. Maman, il a fait la guerre lui. Il y a l'antivol. Il est parti là. Bon, ben on recale avant de partir, apparemment. Ah, mais j'ai les sacoches, elles sont bourrées d'herbe. Ah bon, ça va. Voilà, ils ont mal calé hier, ils ont remonté le moteur hier. Du coup. Du coup, voilà quoi. Ça part mal. Allez, on est parti pour 1250 km. Du coup, on a fini à 6. On vient encore de caler, comme vous avez pu voir, la mobilette de 1. On espère que ça va aller, ça a l'air mal barré. Donc, je vais vous présenter vite fait toute la clique et avec quoi on part. C'est pas gagné. La bleue, la 88. Alors, ça, c'est Benjamin. Benjamin, AV78. AV78 avec attelage. Ça, c'est Vincent de la Team Boulagan. 81-1, vous avez déjà vu. Sans attelage. Ça, c'est Fabrice avec sa 88 qu'on vient de bricoler. C'est Cédric avec un attelage et une 103 rigide à l'arrière. Il est gainé. Et ça, c'est le militaire, le clown du spectacle. C'est Guigui, la crème du jazz. Voilà, ben allez, on est parti. Premier arrêt dans 30 bornes et on verra bien. Bon allez, c'est le grand départ. J'ai essayé de filmer les moments drôles, on va dire, les pannes et les arrêts sympas. Franchement, ça fait déjà flipper. On est déjà parti avec un peu de retard et on a fait de la mécanique avant de partir. Donc bon, on est 6 et pour une semaine, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit, si Dieu le veut. Donc go quoi. C'est parti. On est toujours là. Allez, on démarre quand. Oh putain, il s'est déjà arrêté. J'allais vous dire, je redémarre quand il y a un souci. Ça a l'air d'être le cas. Oh putain, je sens qu'on va être emmerdé avec ce bruit là. La tâche qui est à côté, ça. La tâche, elle doit être là-bas. La tâche rapide. Bon, mais 300 mètres, quoi. Oh putain. Là, tu peux couper. Ah, la chaîne, elle est niquée. La chaîne, le truc est niqué, là. Il manque un. Ah ouais. C'est un J'ai une autre là-haut mais j'ai plus d'attache. T'as pas d'attache rapide? Ouais. Je sais pas à quel moment elle a pété. Eh, t'en as un neuf attache rapide. Ouais mais j'ai pas. Dans les pièces. Pas pour le vélo. Ah putain ouais, pas pour le vélo. Riselant, si Riselant, fil de fer. On est bien parti. Hein. Fil de fer là. Jour. Bonjour. Moi j'arriverai pas de toute façon. Hein? Elle avance pas. Après le moteur il faut qu'il se fasse. Ouais, ça c'est sûr. Les roulements neufs et tout, c'est normal. Là, le centrage du vélo et tout, faut rouler. Bon, allez, ça repart. On a été obligé de lui changer la chaîne. Et en plus, enlever un maillon parce qu'il avait niqué la chaîne et la tâche rapide. Donc voilà, à 150 mètres du départ. Comment dire qu'on est confiant, je sais pas. Voilà, après c'est l'aventure, hein. On va avoir une pente plus vite que prévu, je pense. Bon, vous voyez les gars, la remorque là. Je suis pas sûr que les roues elles tiennent tout le périple. Aïe, aïe, aïe. Après c'est l'aventure, hein. Mais bon, on aimerait bien pas trop de galères.
avec une petite pause galopin chocolatine. Il va vraiment falloir qu'on essaye de rapistoler ce 103. On pense que c'est le calage de l'allumage qui a mal été fait. Comme je vous dis, ça devait être une équipe en béton, mais ça se complique. Mais bon, on va essayer ouais, de le faire avancer un peu plus vite, quoi. Donc voilà, les aventures. Ah, les copains. Ouais, ouais, grave, elle marche mieux. On est arrivé à Lozère, on a fait 30 km apparemment, à peu près, sur 210 aujourd'hui. La bleue, elle marche un peu mieux, mais le 103, il va falloir qu'on le révise. Hein. Il va falloir qu'on regarde pourquoi il marche, il ne monte pas bien. Quand je pédale, j'ai la chaîne qui saute. Comment? Ah, elle est pas assez tendue. J'ai vu, oui. Pardon? Ouais, en vrai, j'avais vu, sinon je serais pas passé, mais. Ouais, oui, oui. En plus, on part, c'est le premier jour. Ouais, on part dans les Alpes. Ouais, bon, on a notre lot de galères déjà depuis ce matin. Ouais. Donc, premier jour, c'est chaud. Mais ouais, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Quand je pédale, j'ai la chaîne qui saute. Ah ouais. Je croyais qu'il t'a merdé pour le stop. Mais si, il me l'a dit. Il me l'a dit. Je l'ai vu. Il a accéléré. Ah ouais. J'ai dit c'est bon, il va passer tout droit, tu sais. Il va pas galer. Ouais. 4 points, 90 euros, mais c'est bon, vas-y. Allez, non, non. Oh putain de merde! Il a ton vélo de vie, vélo de Dieu. Eh, on peut même pas la boire là. Il y a du verre dedans. On va pousser, Ouais, on va la pousser. Oh putain, il a fait tomber de la remorque, la bouteille de deux prunes. Non, de demi de poire, pardon. Et voilà. Les sandales là. Ouais. Le skate. C'est à lui, non? La sandale aussi. Oh putain, il y a une...
Il y a les fenêtres dans le trafic. Mille dieux. Nous on s'arrête là avec une 38 tonnes au cul. les gars, il faut arrêter là. Il était scotché sa plaque, t'as pas vu. Il a perdu la plaque. Moi non plus. Il était scotché là. Et la deuxième plaque, elle est où? Il y en avait deux non, à la base. Non mais l'autre, il perd la plaque. Non mais on perd l'eau de vie, on perd la plaque, on perd tout. Mais on trace, il va la mettre dans le sac. Oh là là, quelle aventure. Quelle aventure. Ça scotche les chargements, c'est bon, on est passé à un autre stade là. Faites gaffe les mecs là avec les camions. Allez, passe devant, là. vas-y. Il a perdu sa plaque. Allez, go. Bordel de merde. Oh là là, c'est sketch. Au moins, on a envie des choses. C'est mignon ça. Bon, je vais faire doubler par une 38 tonnes en côte. Un d'oignon. Faire amener un arrache dans un bled là, du coup pour sur la route pour recaler la 103. Voilà. Après aujourd'hui du coup ça va être à la dure, hein. Ça s'arrête quasiment pas pour manger et tout, je sais pas trop. Ça va être à la dure mais ça va les rôder je pense, les petites feuilles un peu. Donc voilà. Je pense qu'une fois qu'on aura tout réglé tout ça, ça va être pas mal. Vous avez raté un truc là, avec la 103, il est à fond à la descente. Il a guidonné un truc de dingue, j'espère qu'il a pas serré. Il se tue là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bloqué. Hein? Ça a bloqué. Il est serré? Je pense. C'est pour ça que t'as... Ah non, il tourne. Ouais, mais il y a un poids dur. Ouais, c'est bloqué. Ouais. Il est bloqué. Presserrage. Je pense que c'est SM. Hein? Il y a un poids dur. Mais quoi, non, je l'ai en roue libre. Vers la fin, en fait, où, quand il a serré, j'avais pas la poignée. Ah oui, c'est plus qu'un poignure. On va pas tirer. Il se sent. Sortir de stack, c'est quoi? Déjà, il faut sortir d'ici, ouais. Il faut sortir d'ici. Là, alors. Après, là-bas, je pense que. Après la côte. Après la côte? Ouais, je pense. On n'est pas très. T'as une corde? Tu l'as une corde toi, Guy? On doit la voir. Ah, la corde! Arrête, on doit la voir, hein. Putain. Bon, les go, alors, hein. C'est moi qui... Une fois moi, c'est dans le manche, c'est dans ton père pour le carrage. Pour le quoi? Ah oui, allez, oui. C'est clair.
Et il m'a dit tout à l'heure, elle met des accoins des sandales, c'était presserrage. Ouais, mais oui, j'y ai pensé. Bon allez, baptême du feu. Il faut que je pédale pour démarrer ou... Vas-y, y'a personne en plus. Go. J'essaye de pédaler pour là. Vas-y. Vas-y. Oh mais là c'est... 103 mémoire, je vais me tuer. Voilà la plage là. Je sais pas. Ouais. Attends, attends, attends. Monsieur l'organisateur, votre ressenti sur ce phénomène, cette première journée, dites-nous. Alors, je pense qu'on va faire rêver les gens. Ouais. On est parti à 10h de Terrac. On n'a pas mangé. Heure d'arrivée prévue 18h, 8h de Meul. Un quart d'heure d'arrêt aux Hertes, un quart d'heure sur la bord de la route. Voilà. Bon, vous êtes content quand même. Oh, on est heureux. Les on paysages sont magnifiques. Et le bord de la départementale, vous en pensez quoi? Un coin d'ombre, c'est prévu pour... Ah. Tu crois que c'est dû à la rance parce que la richesse a l'air bonne. Surchauffe. Passe en mode course là. Allez. Allez, pas. C'est quoi le mode course? Ben, c'est mode course, c'est ce qu'on a fait aux 24 heures. On va mettre de l'huile dans le cylindre parce qu'on avait serré, presserrage. Et on met de l'huile dans le cylindre et hop, c'est ça repart. La route là. La D combien? D1. D1. Monte course, t'es au bord de la D1 là, comme un gland. Toi qui es gaillard, tu vas lever la brêle en l'air pour qu'on puisse verser l'huile dans le cylindre. Et ça repart. Tu te la fixes sur le dos avec un tender. Ah, chaleur. Ah ouais, mais tu vas mettre. Non, 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 l'huile. Il va rouler que combien de temps? Il va y arriver. Attends, attends. Il faut que. Ah, mais l'entonnoir. C'est quoi l'entonnoir? Vas-y, lève. Il y a un beau entonnoir. Non mais là il faut que tu la lèves, lève la brêle. Moi je tiens les freins, voilà. Ça tu vois, on a gagné le course. Ouais. Cabre. C'est comme ça qu'on a gagné. Ouais mais tu vas rouler comme il va rouler faire. T'inquiète. On a fini, non mais après attends. C'était moins grave. Déjà qu'on te montre les astuces. Alors tais-toi s'il te plaît, déconcentre pas. Ça vaut tous les tutos que vous avez dû regarder jusqu'à présent. C'est clair, ça c'est sûr. Là. Eh ben Benjamin, filme, ça sera le prochain tuto de YouTube. Là on va rembourser le... T'inquiète. Toutes les Team Polini. Ça c'est Team Polini ça qui faisait ça, en 92. Ça y est. Regardez-moi. Elle reprend de la compression, ça y est. Là. J'entends le cœur, ça repart. Ouais, non, ouais, ça va repartir. Jusqu'à au moins le rendez-vous déjà. De l'huile. Mais il peut faire ça tout pendant que c'est tout. Non. Oui, c'est... Moi, j'ai... c'est qu'il faut le double d'huile. Et après, s'il trouve un moteur aujourd'hui, demain, il faut trouver un bidon de 20 litres d'huile. Bon, si c'est que ça. Si c'est que ça. Il était où là? Son père était déjà là-bas? Ah, il est pas là sur la route. Ah. La façade. On n'avait pas 3 tonnes, tu vas le noyer. C'est EDF. Et là, ça. T'as un fichier. Ça a serré fort. Ah ouais. Mais attends, vu comment ça s'arrête. Ah, mais t'as vu, il descendait quand même. Je sais pas combien il était en descente. Ah ouais. Il a dit qu'il accélérait pas. Ouais, enfin, vu comment il a des. Non, non, il était pas branché. Possible. Moi, quand j'accélère pas, il a ralenti la mobile aussi. Non, non, il est à fond, ça, plein fer. Avec toi, on l'a vu. Le coup de. Il a doublé. Mais oui, il t'a doublé. Il me double au moment où j'ai fait comme ça.
je kiffe. Moi aussi. C'est pour ça que j'étais là-bas et j'ai cru qu'il avait arraché la roue, moi. Non, moi la roue, elle était partie là. J'ai vite compris. Enfin, vite compris. Grand Mendez. Elle a tellement chauffé, t'as ça. No Vice. Ça rétrécit. Comment? No Vice. No Vice. Ça veut pas dire novice en anglais, ça? Mais je sais, je sais. Non, mais après, les gars, il hey, faut que vous vous préparez pour une semaine. Hein. Parce que moi, je vais dire les conneries pendant une semaine. Il a, c'est pas méchant. Hein. Ouais, c'est allez, hop, 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 lâche. Sans la remorque. Tu peux trouver un autre magasin. Ou notre culasse. On va attends attends attends. Mais là c'est pour arriver. Je sais pas, on va voir c'est système course déjà pour arriver au rendez-vous. Ouais. Système course. Mais là, tu penses au mais après. Allez, range les outils et tout de toute façon. Après temps, range. Quoi? On peut trouver des compresseurs, ça marche pas les compresseurs. Là je. Il y a un samedi. Il y a un lit, il y a un moteur. Fais ton secours, après tu reprends ouais. L'espèce. Ouais. Demain matin. Non, mais t'as un magasin de mobilier. Allez, vous. Ah, il est bloqué. Il est bloqué. De dingue. Je cherche pas, je serai la voiture de service. Tu nous rejoins quand même. Non. Ah oui. Attends. Mais oui, tu nous rejoins. Non, mais pas un truc qui puisse où on puisse foutre une brêle. Fait qui pas. Franchement. C'est pas, je sais pas quoi me demander. Ça tourne pas là. Ah l'enculé. Ouais, ça fait qu'elle tourne pas. Je suis sûr que ça aurait été une moto bécane, ok, mais là, une Peugeot, il n'y a rien à faire. Allez, tu prends la bière. Allez, vite. Vas-y. Oh. Oh. Voilà, on allez, on se casse. Oui, la sirène. Hein eh. Allez, range les outils, on va au point de rendez-vous déjà. Bon, les gars. Système course, vu qu'il a serré, on a fait tourner le bourrin avec de l'huile, on a quillé la brêle, et voilà quoi. Il roule, du moins jusqu'au point de rendez-vous, on devait caler l'allumage, parce que son mécano l'a mal calé, donc on pense que c'est pour ça, sur chauffe, etc. Donc voilà, on va voir ça, la suite de l'événement. Peugeot, désolé les gars. Bon allez, ça repart. Avec recalage de la 103 aux petits oignons. On a démonté Sylène, ça a l'air pas trop mal, donc gros presserrage. Voilà. Allez, on fait sur ça. Il est bientôt 4h, on n'a pas bouffé. Dur dur. La vie à mobilette. Bon, on a calé le 103, on repart. On a vérifié le cylindre, tout. C'est pas trop mal, gros presserrage, mais bon. On va voir jusqu'où on va. Il est bientôt 4h, on n'a pas mangé. Ouais, compliqué la vie en mobilette. On a été où dans les galères? Le mec, le 103, il est rincé, donc c'est bon, il n'y a plus de compression, plus rien. Il abandonne pour l'instant, il va voir pour essayer de trouver un piston cylindre. Et donc il est à plein véhicule. Et peut-être qu'il nous rejoint ce soir, si tout va bien dans le 103. Voilà, et il repart avec nous demain. Bon, sinon, moto bécane les gars. Hein. Désolé, mais sur la fiabilité et la longueur, pas la puissance, mais il n'y a rien à dire. Les joies de la mobilette. Le plein. Avec quoi il est capsule? Avait dit. C'est la route secours. Allez, ça repart. Il nous reste 80 km pour le camping. Ça fait 2 km. Je me suis pensé que j'arrêtais au rond-point. J'essayais de repartir et dès que j'arrive à une certaine vitesse, la courroie elle patine. Mais là sur Becky, regardez.
Tu vois, il a. Aïe, oh la putain. Non, mais moi, je préfère que ça soit ça que le. Là, tu vois, regarde, là, regarde. Il a du jeu comme ça. Regarde, il se dessoue. Non, là, le bouton, regarde, le bouton, il se dessoude, on dirait. Ouais, mais vire-moi ça, on va mettre le plateau de l'intestin. Quel plateau? Il a un plateau. Hein? Mais on le ferait pas ce soir plutôt, si on peut dépanner là. Je sais pas. Un quart d'heure, il est changé le plateau. Ouais, non. Mais... Et on est plus un quart d'heure près, je pense. Mode vélo. Putain, il appelle. C'est une merde, c'est tout. Ouais. Il y a un arrêt de bus avec un banc. Ouais, mais il a un arrêt de bus 200 mètres après avec un banc et tout. Donc, 100 mètres. Ok, vas-y, c'est au jeu. Ça change rien. D'accord. Sauf que tu peux pas te mettre en mode vélo. Non, c'est pas grave. Tu vois en panne faire tout en pédalant. Non. Donc ça sert à rien. On fait quoi alors? Alors, on change. T'as mangé quoi? Comme ça, ouais. De toute beauté. Il te dira où il a acheté. Je suis le vieux, non? T'as mangé quoi? Il a un gène. Ah ouais? Au gravier. Bon, là, il tient. Mais, non, mais là, t'as gros, quoi, déjà le calage de droite à gauche. Il doit manquer les circlips quelque part. Hein. Ah, du circlips, j'en ai pris. J'en ai des circlips aussi. Moi aussi, j'en ai pris. Si ça arrive à monter en apostant, vas-y, on le fait en 100 mètres, il a dit. Allez go. Bon, nouvelle panne. La bleue là, toujours c'est qui nous fiche depuis ce matin avec le 103. Là le plateau qui se met en mode vélo, donc du coup en fait ça débraye. Donc heureusement on a un plateau de rechange parce que ça arrive assez régulièrement. Soudé normalement. Et donc ben, on va se taper ça. Allez. C'est l'aventure les amis. Hop là. Bon allez, ça repart après avoir changé le plateau de la bleue là qui nous fait chier depuis ce matin et il est déjà en panne. Alors je sais pas, il y a un souci. Oh là là, mais c'est un cauchemar les amis. Il faut pas partir avec des mecs comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il n'y a plus d'essence. Fais le plein, vite. Qui c'est qu'à 12h? Ah mais t'as pas mis lui depuis tout à l'heure? Non. Déjà, ton 12h. Hein? Ton 12h. Attends, il en a de la fête. Mais fais-le, attendant, tu gagnes du temps. Non, il y a combien? J'ai pas le vers 12h. Il n'y a pas là. Il y a combien là? Amène-moi-le. Il y a combien de litres là-dedans? Non, dans le bidon. Il y a à moitié, ça fait 5 litres normalement. 2,5 litres. Ouais, 2,5 litres, 2 litres. Il m'a dit de tourner à 4%. Ouais, c'est trop 4%, tu vas être dans la merde. 3 déjà, c'est très très bien. 4%. Allez, ça repart, il a mis du mélange, j'espère que c'était que ça. Et ouais, bon les gars, information importante, il faut partir avec des mecs qui ont bien révisé le matos. Et vaut mieux un vieux truc d'origine qu'un truc refait à neuf, parce que voilà quoi. Surtout par un mec qui s'y connaît pas forcément. Bon allez, c'est parti pour la suite. La route est interminable aujourd'hui, les amis. Quelle aventure. Après bon, si c'est qu'aujourd'hui on en rigolera, on verra bien. Ravitaillement, on a fait 200 roll tracker, 200 bornes get the rocket, 200 bornes avec 4 litres en gros, grosso modo. Voilà, donc ça faisait du 2 litres au 100. Et bien la belle Twingo. Bon, c'était pas prévu, mais obligé de prendre des grandes routes pour rattraper le temps et l'itinéraire, on va dire. Il nous reste à peu près une heure de route. Avant d'arriver au camping, enfin, la fin bientôt de la journée galère. J'espère que ça sera vraiment celle-là. Mais bon, manque de préparation en fait, c'est certain. Voilà. Petit conseil, restez préparés. Voilà quoi. Voilà.
fait plaisir les petites routes un peu. Ça sent la fin. Ah, il fait pas chaud. Hein. Ah, ça y est. Ouais, bon. Voilà. 20 km. Ouais. Bah, allez, c'est cadeau. Ah, si on la chauffe pas la colle, ça. Il a rattrapé. Bon, au moins on est arrivé. Il y a des vaches. Allez, bon, maintenant il reste plus qu'à trouver le camping et manger, monter les tentes. Bref, on est déjà là, c'est déjà pas mal. Mais oui, ah, c'est touristique, oui. Toujours, c'est ce qu'elle m'avait dit, non, mais pour manger, il n'y a pas de soucis. Eh bien, on lui demandera. HS 203.